Santo Espíritu sea nuestro Padre. El Señor es soberano de Jesucristo. Nuestro amateur, oficial. El Rua Budesh, el Zapata de Santo Espíritu, Rua Budesh, oficial. Aleluya. Aujourd'hui c'est le 4e. Tiens, mon fils, tu es le 4e aujourd'hui. C'est 18. Hein? Et cette personne-là, elle est là. Cette personne-là, Dieu a fait à elle. Elle a pleuré. Écoutez, madame. Elle a pleuré. Elle a crié. Hein? Je sais bien dire ceci. Une personne là. Si je la vois, elle est là. Je parle à la personne après. Cette personne là. On va partir d'aujourd'hui, le 17. Le 18. Au 18 du mois prochain, il y aura des choses extraordinaires que Dieu va me montrer. Tu vois, tu as pleuré, tu as crié, tu tires le manteau. Regarde maintenant que c'est moi qui contrôle, qui influe et qui dirige. C'est une seule personne. Et j'ai dit, il est une seule personne. Et je la vois, et je lui parle de personne. Je ne veux pas parler ça en public, ça ne concerne pas. Ça me concerne là. La gloire. Et la personne sera étonnée. J'ai dit le mot, elle sera étonnée de ce que Dieu va faire dans sa vie. Mais j'ai dit, ah, elle a beaucoup pleuré. Dieu répond. La parole d'aujourd'hui. Oui, c'est ce qu'on va parler dimanche. C'était pour Jésus chapitre 7 et verset 8 et 9. Hein? Le mot qu'on avait vu, c'est le mot qu'on va dire. Alléluia. On vous dit ceci. On a dit, je vous dis, c'est à vous. Que ce livre de la parole, que ce livre de la loi, ne s'éloigne, regarde-moi, ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le. Oui, je dis, c'est alors que tu auras, tu prospéreras, je change, pas du succès. Tu procéderas dans tout ce cas. Dans toutes les entreprises. Qu'est-ce qu'on nous recommande? On nous recommande que la parole. Que la parole ne quitte pas ta bouche. Passe par ta bouche. Qui est là? Que ce que tu proclames qui te donne la vie, c'est ce que tu confesses qui te donne la vie, c'est ce que tu confesses qui te donne la vie. Qu'est-ce que tu parles là? La loi. Et les gens qui n'avaient pas accompli la loi à l'époque étaient punis parce qu'ils n'ont pas accompli la loi. Aujourd'hui, nous sommes dans notre pays, il y a la loi. Je ne dis pas les lois, la loi. Si tu désobéis à une loi, tu es puni. Donc, amen. Alors, à combien de fois la loi de l'éternel que nous devons méditer jour et nuit. Pourquoi il a dit jour et nuit? Parce qu'il a dit ceci. Il a voulu dire ceci. Avant que le soleil se lève pour la journée, toi tu es déjà. Avant que la lune. Tout ce qui est pendant la nuit, parce que la nuit est la nuit, Jésus a donné la vie. Que tu puisses méditer sur tes paroles. Qu'est-ce que tu médites la parole? Tu as la parole? Oh, commencement était quoi? Vous avez ce côté ici. La parole. Et le dire au commencement de ta vie, c'est quoi? C'est la parole. Au commencement de ta vie, c'est la parole. Tu as la parole? Alors pourquoi tu ne veux pas être habillé de cette parole-là?
Alléluia. Voilà le problème. Le problème est très simple parce qu'on ne veut pas être ami de ces paroles. On veut être ami de quoi? De notre âme. Dans notre âme, sentiment, émotion, etc. Oh, la parole n'est pas passée dans notre âme, la parole va dans notre esprit. Dans notre esprit. Dans notre esprit. C'est là où passe quoi? La parole. C'est la raison pour laquelle nous devons la méditer. Quand je médite cette parole, jour et nuit, et je médite surtout ce qui est écrit. Le problème est quoi? On médite ce qu'on veut. Mais je dois méditer tout ce qui est écrit. Quand on dit que toi, mon fils, ma fille, tu dois faire ça et je dois faire ce qui est écrit. Alléluia. Vous savez, mon écrivain, mon modèle aujourd'hui, on nous dit par exemple Shabbat Shalom, hein? Le jour du Seigneur. Qu'est-ce que ça pour moi? Sanctifier. On a dit le mot, on a chanté ici, que le jour est dans la sanctification. Est-ce que le genre de chrétien de vie sanctifie ce jour-là? Et mettre à part ce jour-là. Est-ce que nous mettons à part ce jour-là? Donc, tout ce que j'ai fait, du lever jusqu'au coucher du soleil, doit être pour la gloire de qui? De Yeshua, Amashia. Parce que c'est un jour qui est mis à part. Shabbat, Shalom. Mise à part. Ce n'est pas une journée pour toi. Mais l'humanité, la société moderne, vous voulez que ce soit dans le fait, on est en train de détruire le jour de Shabbat Shalom. Vous savez pourquoi? Pour vous dominer, vous contrôler et vous diriger. Je répète, pour vous dominer, vous contrôler et vous diriger. Quand tu domines une personne, quand tu contrôles une personne, quand tu diriges une personne, la personne est devenue devant toi. Esclave. Amen. La personne devient qui? Esclave. Et beaucoup de gens dans l'humanité aujourd'hui sont devenus esclaves. Ils disent non, nous sommes libres. Non, ils ne sont pas libres parce qu'ils sont dominés. Le mot que tu dis, dominés, contrôlés, dirigés. Dominés, contrôlés, dirigés. Ils sont dirigés contre par quoi? Par la loi établie par qui? Ce n'est pas la loi établie par le gouvernement, établie par l'autre. Alléluia. Quand il a cette loi établie dans une famille, dans une communauté, cette loi rend cette famille, cette communauté esclave. Il y a des gens dans la famille. Il y a cette loi établie que dans cette famille, on n'aura pas de mariage. Dans cette famille, on n'aura pas de enfants. Dans cette famille, on n'aura pas de diplôme. Dans cette famille, on n'aura pas d'argent. Dans cette famille, ils ne passeront pas tel âge. Dans cette famille, parce que ce sont des gens qui sont établis. Mais qui es-tu toi? Quand tu médites cette parole, qui est la parole, cette parole qui est celle de Dieu? Tu la médites, c'est cette parole qui va te donner le pouvoir et l'autorité de pouvoir de renverser maintenant cette loi de domination, cette loi de contrôle et cette loi qui va te diriger. Alléluia. 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 Il y a dans d'autres, je vous dis dans des familles, pour étudier cette promesse. Étudiez seulement, promis sur lui. Avant les enfants, c'est promis sur lui. Avant le travail, c'est promis sur lui. Ce mariage est un problème sur lui. Pourquoi les gens sont venus sur la cité? Pourquoi quoi? Du tourisme? Non. Alléluia. C'est là où il y a des problèmes chez les êtres humains. Le problème est qu'il y a, écoutez-moi. Là, ce que j'appelle la communion. Écoutez-moi mes mots, la communion. La communion verticale et horizontale. Regardez-moi. Écoutez-moi. Quand je dis que j'ai la communion avec
veulent dire qu'avec Yahvé, avec l'éternel, avec les amis, avec Dieu de l'ouvert, qui a créé le ciel et la terre, le Seigneur est venu. Amen. Amen. Et regarde maintenant, Judas avec la communion va, n'est-ce pas? Hein? Regarde, la communion vert. On appelle ça la communion verticale. Vert. Et regardez-moi, la communion vert. La communion verticale, vert, qui vert, Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Et c'est toi avoir la communion qui est comment? Horizontale, vers les autres. Alléluia. Mais quand maintenant cette loi établie qui est là, quand ce livre de la loi ne quitte pas ta bouche, médite que le jour est nuit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu médites ce livre-là? Ah, je me dis de temps en temps. Quand ça va. Mais, regarde. Quand ça va, on médite. Quand ça ne va pas. Oh, la règle est donnée. La règle est donnée. La loi, elle est donnée. Qu'est-ce que je fais quoi? Qu'est-ce que je dis? Méditer jour et nuit. On a dit de méditer jour après une semaine. On dit jour et nuit. Tout le. Tout le. On ne t'a pas dit de distancer. Comment tu vas me dire que tu es en communion verte? Celui qui a créé le ciel et la terre. Qui est la parole? Qui est le Seigneur sur le fils? Il y a un problème. Alléluia. Il y a un problème. C'est ta position verticale vers lui. Tu dois être jour là. Jour là. Est-ce que je l'ai dit à cette communion? Est-ce que je l'ai dit à cette communion? Verticale. Vers lui. Cette communion doit être jour et nuit. Et regardez bien. Là où tu es assis. Regarde, mais tes pensées là où tu es en train de parler. Regarde comment elle définit tes pensées. Comme, regarde comment. Et, tu te vois là, comment elle regarde comment elle définit tes pensées. À ce moment-là, tu peux dire la parole. Oh, dans la parole. La Bible dit que toutes nos pensées soient comment? Captive à l'obéissance de la croix de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. Tes pensées, pourquoi tu n'arrives pas à captiver tes pensées à l'obéissance de la croix du Seigneur Jésus-Christ? Donc, c'est la Bible qui ne me dit pas jour. Alléluia. Alléluia. La Bible te dit, la parole te déclare ceci. Non, il est là. Merci. La parole te dit, tu dois méditer jour et nuit. Jour et nuit, c'est ça, merci. Tu dois méditer jour et nuit. Hein? Tu dois méditer la parole le jour et nuit. Regardez-moi. Jour et nuit. Comment c'est que tu veux? Regarde-moi tes pensées. Est-ce que tes pensées? Pourquoi tes pensées voyagent? Pose la question personnelle, vous savez. Pourquoi tes pensées voyagent? Tes pensées voyagent parce que tu as oublié un verset qui dit je dis toi, pas ou bien moi, nous devons ramener, écoutez bien, ramener, regarde, ramener le passé, regarde, captive à l'obéissance de la croix du Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Donc tes pensées doivent être comment? Captive. Est-ce que le sang va sortir, regarde? Est-ce que le sang sort? Non. Pourquoi? Parce que je vais captive. Tu restes. Pourquoi toi maintenant tes pensées voyagent? Pourquoi tes pensées voyagent? Oh bien, quel servir de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche? Médite jour et nuit. C'est la raison pour laquelle, comment médite pas jour? Loi connaissez. Loi connaissez. Comme on médite pas cette parole le jour et nuit, nos pensées pourquoi? Voyage.
Oh, je vous ai dit, la communion doit être un combat, doit être une communication. D'abord, je ne vais pas vous dire aujourd'hui, vert. Je tourne le regard, dit David, vert, celui qui a créé le ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tes pensées doivent être tournées. Le Seigneur est le Seigneur. Quand tes pensées sont tournées vers lui, c'est par là maintenant. Le Saint-Esprit va te donner la révélation. Va te inspirer. C'est là pour la communion qui est vers les autres. Regardez maintenant ce que vous avez. Ça, tu vas voir. Quelle est ta communion maintenant? Papa! Quelle est ta communion? Regardez-moi maintenant. Quelle est ta communion horizontale envers les autres? Quelle est ta communion? Ah ah! Ah! Bah, qui sont, qu'est-ce qu'ils sont dans ta bouche? Ma belle vie! Qu'est-ce qu'ils sont dans tes pensées? Regardez. Qu'est-ce qu'ils sont dans ma bouche? Qu'est-ce qu'ils sont dans mes pensées? Pose-toi la question là où tu es. Demande-moi de mes pensées. Pourquoi mes pensées voyagent? Vous croyez qu'on peut te mettre là? Écoutez, on peut te mettre dans ce bâtiment-ci. Seul! Pendant une semaine. Mais si tu n'as pas la communion verticale et horizontale, si tu ne médites pas ces paroles jour et nuit, si tu ne ramènes pas tes pensées comme tu dans le sein de la croix de Jésus-Christ, alléluia, tu vas pécher. Dieu sait que tu vas faire quoi? Pécher. Et quand tu passes, alors il n'y en a plus là, sans quand tu passes, il n'y en a plus là, sans côté. Alléluia. Amen. Et quand il n'a plus à s'aider, la gloire de l'Éternel ne peut pas se manifester selon ce qu'il nous a promis. Quand ce livre de la loi ne sera pas de ta bouche, méditez le jour et nuit. Agis. Voilà. Vous voyez que j'ai oublié ce mois-là, dimanche passé. Agis comment? Qu'est-ce que vous avez dit par ma Regarde. Agitement. Signifie quoi? Vous avez oublié? Qu'est-ce que vous avez dit? Être fidèle. Elle a donné l'exemple après. Marie et femme à la commune, n'est-ce pas? Elle dit, je te prends en mariage jusqu'à la mort, nous ne sais pas. Je te prends en mariage qu'il a des. Mauvais jour, de mauvais jour, bon, patati, patata, je suis toujours avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Agis comment, hein? Agis comment, hein? Est-ce que vous agissez fidèlement vers le Seigneur Jésus-Christ? Non. Vous savez, pourquoi? Parce que nous ne méditons pas la parole au jour. Comment on ne médite pas sa parole au jour? On ne peut pas agir fidèlement. On agit comme des. Prostituée. Vous savez les prostituées? Hein? Deux de 5, c'est un million d'euros. Donc, vous dites quoi? Nous nous prostituons dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes, dans nos sentiments, dans nos émotions. Vous voyez quand on dit la prostituée, ça c'est prostituée. Vous croyez quoi? Vous croyez quoi? Vous voyez quand il va dire. Non, c'est dans les pensées. Dans les actes. Dans les paroles. Regardez les paroles qui sont dans ta bouche. Des autres. Dis, Simon, quand tu te fâches, c'est quoi? C'est la prostitution. Avec qui? Avec ton mari. Qui est ton mari? Le Seigneur est son père. Hein? Jésus-Christ. Qui est ton époux? C'est lui ton époux. C'est lui mon époux. Alors, il faut éviter que je puisse être prostitué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Dieu se livre de la loi, ne se pas de ma bouche, bénitez-le, je vous dis, agis fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Tout ce qui est écrit. Tout ce, regarde-moi, tout ce qui est écrit. Ancien et nouveau testament. Hein? Regarde maintenant la condition. C'est alors, qu'est-ce qui va se passer quoi? Que tu prospéreras. Je vous ai dit, ma chère frère, pour qu'il ait la prospérité. Mais c'est quoi la prospérité? C'est le même, c'est ne pas avoir de maison, de voiture, compte en banque rempli. Ça, ce n'est pas la prospérité. Parce que ça, dans. Écoutez-moi bien. Dans une minute, tout ce que vous voyez, c'est la prospérité peut faire disparaître. Alléluia! Alléluia! Peuple, vous pouvez voir, disparaître. Mais c'est la première prospérité, c'est quoi? C'est ta communion spirituelle avec ton Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Quand il y a cette prospérité, ton esprit communique avec l'esprit de celui qui a créé toutes choses. Il a dit clair. Dans tout être humain, il y a un l'esprit, l'esprit de Dieu. Alléluia. 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 Agis. Qu'est-ce qui va agir finalement? C'est ton âme loin de là. C'est ton corps loin de là. Ton corps a besoin de manger le fruit de steak et salade, le macaroni, les spaghettis, le makayabou, le fumbois, les haricots, les pommes de terre, la boule. Ça, c'est le corps, n'est-ce pas? Est-ce que ton corps a besoin de la parole? Non. C'est ton esprit. Alors, j'ai envie de me mettre dans une autre dimension. Quand ton esprit est en communion, c'est ton esprit maintenant qui va dominer l'âme, qui va dominer le corps. Alléluia! Quand ton esprit, quand tu es rempli, ton esprit communique avec le roi à collège. Roi à collège se passe au travers de toi. Commence à communiquer avec toi. Maintenant, ton esprit, le petit, va commencer à dominer l'âme. L'âme qui est le siège de sang qui va évoquer tempérament. Et ton esprit va dominer le corps. Écoutez maintenant, bien venir. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de la bouche. Médite-le jour et nuit, et promis, c'est dans lequel tu auras. Là, on dit, c'est pas une que tu prospéreras à tous ces gars pour prospérer ta vie. Bon, regarde maintenant. Quand ton esprit n'est pas en communion, qui va dominer ton âme? Qui va dominer ton corps? Regarde maintenant comment on peut dominer ton corps. Alléluia. Regarde comment on le corps. Regarde, regarde. Qui dit qui a faim? Est-ce que l'esprit qui a faim? Je pose la question. C'est l'esprit qui a faim? C'est le corps. C'est le corps. Hein? C'est le corps. Tu n'as pas encore la lame. C'est le corps. N'est-ce pas? Si on te dit au niveau Saint-Esprit, t'es dit. L'esprit de toi te dit, maintenant, il y a depuis 6 heures jusqu'à le fils de moi. Nous, moi, je ne saurais pas te dire. Moi, je ne saurais pas te dire. Qu'est-ce qu'il dit que moi, je ne saurais pas te dire? C'est quoi? Qui domine l'autre? C'est le corps qui devait dominer quoi? C'est le corps qui devait dominer quoi? L'esprit. Alléluia. C'est ton esprit qui doit dominer ton corps, donner l'ordre. J'ai dit le mot, donner, c'est ton esprit qui doit donner l'ordre à quoi? À ton corps. Et c'est là quand ton esprit, écoutez-moi bien, quand ton esprit commence à donner l'ordre à ton corps, le corps est assis, je dis maintenant. Yes. Amen. Alléluia. 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 Amen. Et je reviens maintenant encore. Quand maintenant ton esprit
commence à dominer l'âme. C'est-à-dire que l'âme qui est composée de trois parties. Sentiments, émotions, tempéraments. Tes sentiments, tes émotions, tes tempéraments sont dominés par l'esprit. Alléluia. Alors, regarde maintenant l'esprit, ton esprit. Et dominé par le roi, le Dieu Saint-Esprit, passe à ton état, qui commence à dominer le corps et l'esprit. Et c'est là qu'il y aura ce mot. C'est alors que tu auras quoi? En dehors de la prospérité. À tout. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez maintenant? Vous comprenez maintenant? Alléluia. Même à bout de maladie. Qu'est-ce qui doit dominer? Quand l'esprit ne domine pas le tort et les sentiments. Tu dois du Saint-Esprit, toi! Alléluia! Qui a créé le corps et l'âme qui soit soumis à la bonne santé? Alléluia. Il soit soumis à quoi? À ton esprit. Alléluia. Regardez, mes amis. Le foulard. Regardez le foulard. Vous dites non? Je mange pas le foulard. Si moi je ne pas bu, voilà, tu vois, regarde, regarde, regarde. Hein? Tu vas voir. J'ai besoin de verres. De verres. C'est comme les gens qui fument la cigarette. Écoutez-moi bien. C'est comme les gens qui font voilà, cigarette. Qu'est-ce qui domine? Hein? Non, regardez-moi bien. C'est nicotine. Nicotine, c'est un esprit. Cet esprit va où? Dominer quoi? Non, ça domine l'esprit. Ton petit esprit, ton petit esprit. Et ton petit esprit, maintenant, comment il est dominé par la nicotine? La médium peut quoi? Dominer. Et le comité. Fumer! Regarde quand on sort d'ici, les gens viennent fumer là. Je regarde et je ne dis rien, mais je dis, mais ils sont loin du Dieu aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Ils sont loin de moi. Quel est le livre de la loi? C'est ces paroles-là. Alléluia. Quand on a dit des jours et nuits. Et les gens qui se masturbent, et disent, moi, c'est plus fort que moi. Dieu m'a dit, où est-ce qu'on va? De pasteur! De pasteur! Où est-ce qu'on va? Qui domine? Le corps est là. Et c'est Saint-Esprit qui domine? Hein? Hein? C'est le Saint-Esprit qui domine? Le gens pour récupérer la raison de mort et les plus bons dans la vie. C'est le Saint-Esprit qui domine? Oh Dieu! Oui, je dis, j'aime. On aime, on ne connaît pas Dieu. Il a les mots là. Quand ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Où? On n'a pas dit au ciel, hein? Est-ce qu'on a dit au ciel? On a dit, ne s'éloigne pas de là. Méditez le jour. C'est alors. Il est le jour. C'est alors. Donc, si on ne médite pas, et c'est alors qu'on a dit ça. Qu'est-ce qui prospérera à tout? C'est alors que ton esprit maintenant. Votre livre pour que Dieu se déroule pour que passer par là. Quand tu es par là, passer par là maintenant, ton esprit commence à dominer le corps et l'âme. Regardez mes amis. Une personne qui filme. Regarde. Ah, il me sent bien. Ah. Alléluia. 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 C'est l'esprit qui se sent bien. C'est ça qui prie que ça vient? C'est le corps et l'âme. Qui domine l'autre? Ça, c'est le corps. C'est le corps. On le voit des fois. Hein? Parce que la cigarette est là, elle ne peut pas aller dire. Hé, je saute sur toi. Parce que la cigarette, vous avez déjà vu une cigarette qui saute sur une personne. Je saute sur toi, moi, cigarette. Saute! Douh! La cigarette saute sur toi. Alléluia. 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 Ok, le vin est là, le vin.
Je ne dis pas aux jeunes de ne pas boire du vin. Si le Saint-Esprit te dit de ne pas boire, pourquoi dire le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit t'oblige de boire. Et là, le pasteur qui dit non. Non, parce que dans la Bible, Timothée, on avait conseillé de prendre du vin pour l'estomac. Tu as l'estomac? Tiens l'estomac? Tiens l'histoire de l'estomac? Alléluia! Amen. Que c'est livre là? C'est livre là? C'est. Oui, là. Que c'est livre? Le dimanche 29. Verset 9. Que c'est livre de la loi. Ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pour venir, c'est alors que tu auras. Tu prospéreras à tous ces gars. Quand on dit tous ces gars, ça commence à avoir un point de vue spirituel, mes amis. Alléluia. Amen. Parce que quand je dis spirituel, ton esprit est dominé maintenant par Dieu, Saint-Esprit. Quand Dieu, Saint-Esprit domine ton esprit, il commence à guider ton petit esprit. Et ton esprit commence à dominer. Le corps est large, mes amis. Même le péché va fuir. Oh. Même le péché. Paul a dit, fuis le péché, mais quand l'esprit domine, l'esprit dicte le corps. Toi, tu dois fuir. Fuis. Sors. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que chaque fois que le péché arrive, tu dis, écoute, tu dis, que la parole ne crie pas à vous, mais toi penser. Je ramène mes pensées captives à l'obéissance de la voix du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu ramènes, c'est toi qui dois ramener. En d'autres termes, dominer, contrôler, donner l'ordre à tes pensées. C'est toi qui dois donner l'ordre à tes pensées. Je vous ordonne, sortez de mes pensées. Laisse-moi en dire. Alléluia. Mes pensées, toi, tu es les pensées. Qui sont les pensées? Verticales vers le Seigneur, c'est-à-dire, et horizontales vers mes frères et sœurs. Combien de fois des chrétiens pêchent par les pensées avec les frères et sœurs? Un chrétien dit, arrêtez. Bienvenue, mon frère. Bienvenue, ma frère. Arrête. Dis ça, mes amis. Sans être fidèle de Dieu, heureusement, il a les jours, le Seigneur, mais il a les jours, à cause de nos prières, vos prières, hein? Le feu du Saint-Esprit a commencé à tomber, de carboniser les gens. Parce que les gens disent, nous sommes bien sous la grâce. Nous sommes bien sous la grâce. Nous sommes bien sous la grâce. On est sous la grâce. La Bible déclare, oui, je pense que c'est là. Il n'y en a plus d'eux maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ok, c'est n'est-ce pas? N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on dit? Mettez les paroles jour et nuit. Alors comment il n'y a plus de la condamnation pour ceux qui sont sous Jésus-Christ, sous la présence de Jésus-Christ? Toi, tu ne me dis pas la parole jour et nuit. Tu es où maintenant? Tu es encore sous la condamnation? Alléluia! Alléluia! Qui va te condamner? C'est moi qui vais te condamner. C'est même quoi? La parole que tu ne médites pas jour et nuit. C'est ma voix de pensée que tu ne ramènes pas captive à la personne de la voix du Seigneur Jésus. Qui va te condamner? Alors tu dis, je suis sur la condamnation. Nous sommes dans la période de la grâce. La grâce. La grâce. Et des pasteurs de la grâce. Des évangélistes de grâce. Des prophètes de grâce. Des apôtres de grâce. Des visionnaires. Arrêtons là. On ne se manque pas de l'eau à protéger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La grâce signifie quoi? C'est la faveur imméritée. La faveur imméritée, on ne mérite rien. Alors, nous prenons cette faveur imméritée, on ne mérite rien. On le fait comme ça. Regarde. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Mes amis, on ne joue pas. Regarde, les gens. Allons à l'église, chame et salon. Ah. Non, tu sais, il était
les machos. Qu'est-ce qu'ils disent? Il fait tellement. Hein? Quand il faisait froid, il fait tellement. Hein? L'être humain. Est-ce qu'elle médite la parole? Oui, la parole. Non. Elle ne médite pas la parole jour et nuit. Il fait chaud, louange et gloire à l'éternel. Il fait froid, louange et gloire à l'éternel. Alléluia. 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 D'ici bientôt, vous aurez votre église à la porte. À votre porte de votre maison. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer à dire maintenant. Ah non, il fait chaud, il fait froid. Le lit est à la porte. Est-ce qu'on va à la porte là? Il fait ce qu'il faut pour le froid et chaud. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle dit, non, elle fait froid. Elle dit, oui. Je suis le héros. Alléluia. Amen. Et quand il ne veut pas donner ton offrande, regardez-moi bien. Quand il ne veut pas donner ton offrande, quand il ne veut pas donner ta dîme, elle dit, dîme, c'est l'ancienne alliance. Lisez Hébreux chapitre 7. Vous allez comprendre que signifie la dîme. Hébreux chapitre 7, c'est où? C'est dans le nouveau. Lisez, je vous donne le devoir. Hébreux chapitre 7. Vous allez comprendre comment la parole parle de la dîme. Hébreux dit ceci. C'est un messie après avoir eu la victoire. Il y a un messie, c'est qui se présente chez lui. Il lui a dit quoi? Il a dit quoi? La dîme est quoi? Tout ce qui est. C'est Hébreux chapitre 7, hein? Hébreux chapitre 7, où? Dans l'Ancien Testament, que le Nouveau Testament. Alors, dit, ah non, la dîme, je dis à l'Ancien Testament, mon œil. La parole est là. Quel est ce livre, monsieur? De la loi, ne s'éloigne pas de ta bouche, méditez-le jour et nuit. Et ton offrande. Vous savez ce que dit la parole de Dieu pour l'offrande. Ne vous présentez pas devant la maison de Dieu. Le maire dit. Et c'est moi qui l'ai dit. Alors les gens vont. Pasteur, prions. Alléluia. Vous savez pourquoi? J'explique. Je peux t'imposer les mains du 1er janvier. Est-ce que tu as fait les amis? Alléluia. Est-ce qu'il a médité le livre là? Kedal. Kedal, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Oh, parce que tu as prié pendant une année pour mon problème. Mais ton problème est déjà résolu depuis ce jour-là. Alléluia. 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 Est-ce que ce livre-là? Hein? Alléluia. 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 Ce n'est pas un seul livre, c'est ce livre-là qui te met la balance de ta vie. Et regarde, la balance de ta vie, c'est ce livre-là qui est la parole, qui est une joie à bâtir. Tu dépasses, mais donner l'offrande, tu deviens. On ne peut pas supplier l'offrande. Écoutez-moi bien. Amen. On ne peut pas supplier le peuple pour l'offrande. On ne peut pas supplier le peuple pour la dîme. Il est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand les gens maintenant font des projets, ça tombe à l'eau. Boum. Ils vont réussir, ça tombe. Boum. J'ai quitté l'église. Il y a une personne qui est venue avec Thierry. Thierry, moi j'ai quitté l'église. Parce que. Qu'est-ce que Thierry a fait? Écoutez, il a maintenant aujourd'hui des appels des touristes spirituels. Ils peuvent échanger des églises. Par an, j'ai connu une personne, je vais vous dire. Hein? Ça fait. Non, jusqu'à présent, je crois qu'il y a 17 ans. Non, jusqu'à présent. 18 ans. Ça fait 18 ans. 17 ans. Ça fait 17 ans. Ça fait 18 ans que je suis dans le ministère ici, à l'église de l'Europe. La personne, il y a une personne qui a changé 18 fois les églises. Alors, c'est la faute de qui? De l'onction. C'est parce qu'on n'a pas l'onction. Alléluia. L'onction.
L'onction, elle est là. Là, à moi. À moi, il est là. Donc, si je sors, je vous dis, vous, le peuple de Dieu, si je sors, le Christ agit partout. Partout. Vous savez pourquoi? Merci, Jean. Le cœur. Est sensible de pas qu'il y ait Yeshua à ma chine. Oui, c'est votre pasteur. Yeah! Votre pasteur. Je ne suis pas votre ami. Je vous dis là, je ne suis pas votre ami. Un pasteur ne vaut pas votre ami. C'était votre berger. Et vous devez savoir que votre berger a une ambition que tu n'as pas. Tu peux monter de son. Tu peux devenir ce soir. Tu n'as pas cette ambition. Quand on a donné à Moïse, il avait la mort. Alléluia. C'est de parano qu'on avait donné. On avait donné à qui? À Moïse. Après la mort de Moïse, qu'est-ce qu'on a dit? On avait donné à qui? À Jésus-Christ. Il avait des autres. Ah, mes amis. Alléluia. 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 Amen. Mais c'est pas juste cette là. Oui. Tu m'as dit, viens, regarde, regarde. Oh Dieu, aidez-moi, bénis-moi. Et puis les gens font même des alliances avec les chrétiens. Si tu me bénis, si tu veux ça, je ferai ça. Et je dis, ok, comme il me... écoutez-moi bien. Le Dieu dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme se repentir. Alléluia. Dieu a dit, ok, moi je suis fidèle. Il a accompli ce qu'il a dit, sans ajouter une autre, et retrancher une autre. Il commence à terminer. Un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois, sept mois, huit mois, un an. Regardez-moi bien. Le Seigneur est sauveur, le Christ. Hein? Il est service d'un beau. Qui est-ce qui donne l'ordre? Hein? La pauvreté, la sécheresse commence. Tu sais, vous voyez ce qu'il fait lui? Lui fait d'abord sa part. Il nous attend au tournant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lui, on fait gagner. Allons vous servir votre mission. Votre contribution ici. Alléluia. On te dit que tu n'as pas payé. Ou bien tu dois, concernant que tu dois payer 5 000, tu dois, tu es obligé de le payer. Pourquoi le pouvoir? Parce qu'il avait les étalements. Hein? Mais tu n'en as plus. Paye! Sinon, avant qui? Ce monsieur-là qui vient avec sa barre. Chichi. Votre bon français, je suis mort. Je suis le monsieur monsieur. Alléluia. Écoutez-moi bien, peuple de l'Éternel, je vous dis pour vous. Hein? Pour vous, pour votre gloire, oui, Seigneur, pour vous bénisse. Tout ce que nous avons nous tous ici, ce n'est pas à nous. Nous sommes serrés que les gens que le Seigneur a donné. Ce n'est pas. Tu vois là, regarde, voilà. Qui m'a donné cette chose? Ce n'est pas ma sœur de la dame. Qui l'a acheté? Ce n'est pas la personne qui l'a acheté. C'est poussé par moi, Codange, qui a poussé la personne à acheter cela et mettre là l'église. C'est passé par une vidéo. Regarde les étapes, les étapes, les étapes, les étapes, les étapes, les étapes. Et toi, tu veux, Seigneur, alléluia, venez grande maison, grosse maison. Et tu ne donnes pas ton offrande de ta vie. Waouh, tu auras cette maison. Alléluia. Amen. On ne se moque pas de l'Éternel. Il n'est pas votre ami, il n'est pas votre ami. Quand il est, vous, mes amis, il est capable, dans un jour, dans une minute, de transformer radicalement ta vie ou ma vie. Mes amis, j'ai dit dans un jour, dans une minute, il est capable. Moi, je l'appelle capable. 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 Alléluia. Toi, ma belle-mère, si tu es ici en Mexique, c'est grâce à qui? À capable, pas ton beau-fils, grâce à. Oh, mais c'est capable. Je suis ma chia. Toi, là. Si Dieu est en Belgique, ce n'est pas grâce à ton mari, c'est grâce à celui qui est sur ma chère.
Toi là, si tu es un président qui t'aime d'Italie, grâce à qui? C'est grâce à toi, vas-y. Je peux vous passer à citer vous tous ici. Toi, si tu viens de devenir l'idée de l'entreprise, c'est toi, grâce à toi. C'est grâce à toi, vas-y. Amen. Hein? Où est cette grâce de toi, ma fille, mes amis? Ça, c'est le livre de quoi? D'ici bientôt, regarde bien le terme. Lui, il va prendre sa parole. Hein? Pour que vous ferez chaud, vous aurez un bon emploi, nous allons vous faire un bon emploi, n'est-ce pas? Hein? Lui, il va faire quoi? Il va accomplir ça. Parce qu'il n'est pas l'homme pour martyr. Puis il est l'homme pour se répandre. Il va commencer à te regarder. Et tu disais, oh, pasteur, j'ai froid. Et maintenant, tu as froid. Chauffe le bâtiment. Yes. Yes, Seigneur, mes enfants me dérangent. Les enfants sont dans les salles. Tranquille. Et prends soin des enfants. Prends soin des enfants. Prends soin des enfants. Alléluia. Regardez, je vous dis la vérité. Tous ces mois de joie, les mois de joie, ils vont vous prêcher. Pas comme ça. Non, c'est fini là. D'être clé et mettre cela là. Pour vous. Pour que nous tous, nous entrons dans une autre dimension. Oh, yes. Une autre dimension de la gloire. De la puissance de la révélation. De la connaissance. Vous demandez les dons. Eh, Seigneur, donne-moi les dons. Je n'ai pas les dons. Qui a le don de Dieu qui les a bloqués toi-même? Allô? Les dons qui les a bloqués toi-même. Qui ne veut bloquer personne? C'est toi-même qui as bloqué. Que ce livre de la loi ne t'éloigne pas de ta bouche. Bénis-le jour et nuit. C'est alors que tu auras. Tu vas prospérer. Comme prospère à tous les cas. Alléluia. Et les gens vont être étonnés. Parce que quand lui commence à faire ses affaires, les gens vont être étonnés. Dans ce monde, ils vont être étonnés. Parce qu'ils vont faire. La vie de la personne qui a besoin de faire la différence dans ce monde. Ah, papa! Seigneur des sorts, vivant. Amen. La complicité.
Alléluia. Et puis je vais vous dire, on ne verra pas les campagnes de bénédiction. Les gens vont venir d'eux-mêmes. Parce qu'il y a cette option-là. Ils ont cette option-là qui commence à souffler sur l'église de la rivière. C'est cette option-là qui va attirer les gens. Votre vie est libre. C'est maintenant que vous connaissez. Écoutez-moi bien. Le Seigneur Jésus-Christ va vous faire un lieu pour les nations. Amen. Pour les pharaons. Parce que les pharaons croient que vous allez passer. C'est Fatah qui va mourir. Et qui va aller avant moi. Moi, jusqu'à bien éveiller, jusqu'à 110 ans. Avec vigueur, avec force. Mais c'est la parole. Je me suis oué. Un mort après une belle vieillesse. Hey. Avec vigueur, avec force, avec courage, avec motivation, avec le talent. Allez. C'était pas un légume. Mais maintenant, on dit à votre médecin, c'est un légume. C'est là qu'il serait de légume. Alors, il est un médecin là. Quand j'ai attiré là, j'ai dit, toi, dis là, c'est un légume un jour. J'ai envie de la vérité. Non, parce que c'est lui qui m'a choisi. Je ne l'ai pas choisi. Il m'a choisi. Amen. Il m'a consacré. Il m'a élu. Il m'a établi. C'est le Seigneur et le Sauveur de Jésus. Ce n'est pas mon père au mystère. Ce n'est pas mon même guérisseur. Ce n'est pas un pasteur. Non, non, non. C'est un choix particulier du Seigneur et le Sauveur de Jésus Christ. Donc ça m'a racheté de la loi de la malédiction. Oh, wow. Alléluia. Vous devez prospérer à tous égards, à condition. Nous tous, ça dit. Alléluia. Quand est-ce qu'on devient vieux? On devient. Non, 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous là, le Seigneur est celui qui s'est aperçu de vous. Amen. Il vous aime sans distinction. Alléluia. Amen. 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 Et va faire des signes, des prodiges, des merveilles, des miracles dans votre vie. Je vous dis ceci. Là, 2017, là, montrez-nous. Montrez-nous. Les gens vont venir vous supplier. Montrez-nous. L'adresse. Comment j'ai même dit, vous dites, vous avez dit, 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 c'est à vous de faire le boulot. Alléluia. C'est vous. Vous avez l'option. Vous avez la parole. À condition et condition. Alléluia. Amen. Agis fidèlement selon tout ce qui est comment. Donc tout ce qui est effacé, vous n'avez pas peut-être. Écrit. C'est écrit où? Regarde. Dans ton cœur. Pour que tu me dises jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez. Qui va mettre le sac? Personne. Parce que celui qui te confesse Jésus est capable. Comment ça dit? Le Seigneur Jésus est capable dans ma vie. Répète après moi. Le Seigneur Jésus est capable dans ma vie. Le Seigneur Jésus est capable de changer toutes les choses dans ma vie. Le Seigneur Jésus est capable de changer
changer toutes les situations dans ma vie. Le Seigneur Jésus est capable.